Donc, la régénération naturelle dans les fonctionnements de la forêt, c'est naturellement une des composantes essentielles. Jusqu'à présent, on a toujours limité la forêt à sa fonction de production du bois. Chaque fois que le forestier voyait un arbre, il voyait, comme avec un scanner, le bois dans le tronc, le nombre de poutres de planches, le support mécanique de l'arbre. Et on a longtemps, trop longtemps oublié qu'un arbre, il faut d'abord que ce soit un système vivant. Et on n'a pas vu qu'il avait besoin d'une enveloppe vivante pour créer cette structure porteuse, disons progressivement. Ça, c'est les deux aspects. Donc, cette première foresterie extrêmement schématique qui ne veut que du bois, qui ne voit pas le reste, c'est une foresterie qu'on pourrait dire très patriarcale, très dirigiste, presque militaire lorsqu'il y a des alignements. Et cette vision purement masculine des choses a un peu oublié que la forêt a aussi une dimension féminine, c'est l'enveloppe, c'est la gestion de la vie, tout ce qui est créé comme structure et tissu finalement de cette enveloppe vivante de la forêt. Ça, c'est la deuxième composante qu'on pourrait nommer la composante féminine de la forêt, créatrice. Et là, il y a une troisième composante qui est importante, c'est le principe que cette forêt, elle se régénère naturellement par semis de graines à plus ou moins grande distance, soit à l'aide du vent, soit à l'aide de vecteurs comme les animaux. Et là, il y a toute une dynamique évolutive qui a lieu et beaucoup de graines germent et peu arrivent ensuite à un stade de plantule, encore moins à un stade d'arbre. Et chaque fois que quelque chose réussit, c'est l'endroit idéal pour que ça réussisse. Juste à côté, une graine n'a pas réussi à fonctionner, à germer ou à atteindre cette dimension. Il y a des raisons précises. Donc, une forêt qui se régénère naturellement a, par essence, par nature, a tout autre pouvoir vital qu'une forêt qui était plantée, parce que là, il y a que des gagnants dans une forêt à ressources, à régénération naturelle, puisque tout se fait de manière optimale. C'est donc un critère qui est important d'appliquer dans la gestion naturelle des forêts. Et cette composition forestière qui se prépare en dessous des grands troncs développe toute une atmosphère. Et du point de vue esthétique, du point de vue de l'appréciation du promeneur, c'est tout un effet différent. Et là, il y a une chose importante aussi à souligner concernant l'enveloppe. On est en train d'entrer dans une phase de réchauffement climatique. On espère que ça se limitera, qu'on arrivera à recorriger tout ça. On a en principe les moyens pour le faire, techniques, ou bien disons les moyens de choix des fonctionnements. Mais ces forêts vont obligatoirement être soumises à des vents plus intenses. On vient d'en avoir un aperçu, plus irrégulier, moins prévisible. Et surtout, les vents, c'est déjà un problème, mais pas le plus grand. Le plus grand problème, c'est vraiment cette irradiation solaire, cette chaleur à laquelle les forêts ne sont pas encore habituées, à la limite du supportable. Et cette insolation extrême qui va en augmentant avec sa température, quel est le moyen pour protéger la forêt contre ça, pour lui maintenir l'eau qu'elle a mis précieusement en réserve dans son sous-sol forestier avec tout cet humus? C'est de maintenir ces forêts le plus fermées que possible, d'avoir une gestion forestière très dosée, mais jamais faire des grandes ouvertures comme on a vu le risque que ça implique pour l'Amazonie. Chez nous, c'est aussi un risque de dessèchement du sol forestier qui est le dernier refuge de l'eau. Et là, pour que ces forêts résistent à cette augmentation de température, il faut des forêts qui soient aussi ombragées à l'intérieur que possible, mais qui bénéficient quand même d'une gestion, d'une exploitation, mais en étant restrictif par rapport aux ouvertures, pour que l'enveloppe joue son rôle de protection. Ça, c'est un peu un principe. Et grâce à ce principe-là, l'intérieur de la forêt, la régénération peut avoir lieu. Ces plants ne vont pas se dessécher aussi facilement que si on a vraiment une forêt trop ouverte. Et on va voir plus tard qu'une forêt fermée qui garde son potentiel en eau au maximum,
a un effet moins connu pour la fertilité ambiante. On va voir ce critère par la suite. Alors la régénération naturelle, c'est... par exemple, ici, on a des phénomènes tout à fait intéressants. Vous avez une forêt de pins, ça c'est une observation en Allemagne, une forêt plantée de pins purs, monospécifiques, et avec un sol particulier, un sol correspondant. Et sous cette forêt, on voit se développer une autre forme de végétation. C'est encore des conifères, mais c'est une autre espèce. C'est du sapin blanc, du sapin pectiné, sous le pin sylvestre, puisque le sapin blanc supporte beaucoup d'ombre. Et il s'adapte à ces sols un peu acides. Il est très bien aussi en alternance avec l'épicéa. Les sols acides de l'épicéa sont propices au sapin blanc. Et sous le sapin blanc, l'épicéa revient. C'est un phénomène qu'on connaît bien dans le Jura, par exemple. Donc ici, vous voyez que spontanément, cette régénération naturelle fonctionne mieux avec une autre essence qu'avec le pin sylvestre. Il y a un message là-dedans. Ça veut dire que le pin sylvestre n'est pas son optimum. Il a besoin, ou alors il aura besoin de plus grandes ouvertures pour s'ensemencer et réussir sa germination. Donc selon l'écartement, selon la densité du peuplement, vous allez pouvoir doser, observer et faire réussir cette régénération naturelle, soit en conifère, en résineux, soit en feuillu aussi. Alors voilà encore une fois cette image de ce peuplement de pins sylvestres avec cette régénération. Là, c'est un mélange derrière feuillu et résineux, ici quelques résineux. Et là, vous voyez, ça fait battre le cœur d'un agronome, d'un agriculteur, là, il y a la fertilité dans cette forêt, là, ça bouge. C'est des sols vivants, ça. Et comment est-ce que cette forêt arrive ensuite à faire fonctionner sa biodiversité, ses sols, sous cette manière? Tout est possible, en fait, dans le sens d'une régénération. Et des essences importantes pour ce genre de forêt. On a vu avant une image d'une forêt légendaire de August Beer. C'est un forestier allemand. Il était au départ dentiste. Et, il avait une forêt privée. Et c'était une forêt monospécifique, une seule essence. Le problème classique, mais du siècle précédent, mais du siècle passé. Et lui, il comprenait un peu le fonctionnement des organismes. Il a eu toutes ces réflexions qu'on vient d'avoir ici. Et il s'est dit, il faut que je redonne à cette forêt sa force, sa vitalité, sa diversité. Et il a commencé avec quelque chose d'assez efficace. Il a commencé avec de la plantation de... Quelle est cette essence? Pour ceux qui connaissent, c'est du robinier avec les épines, là, avec ses feuilles pennées. Là, cette feuille est plus visible ici. Donc une essence avec un bois très intéressant. En plus, elle est... très efficace, elle réussit très bien sur des sols très pauvres. Là-bas, c'est des sols sablonneux, fixatrice d'azote, légumineuse. Donc, il a mis en place des robinets pour initier une régénération, une dynamique forestière. Et ça a impliqué tout un processus. Et maintenant, ces forêts sont visitées parce qu'elles sont exemplaires. Elles ont toute une diversité d'espèces. Les oiseaux ont fait le reste du travail. Ils ont amené le reste et en dosant les éclaircies, les sylviculteurs ont réussi à transformer une forêt qui était au départ relativement pauvre et sur le déclin, parce qu'on ne peut pas faire plusieurs générations de la même essence sur des sols sablonneux et acides. Ça fonctionne toujours moins bien. Alors là, ils ont réussi à les relancer avec succès. Donc là, l'azote était une des composantes du succès. Quand on transpose le système agroforestier, ben c'est peut-être la slide d'après. Est-ce que oui. L'azote est un facteur limitant pour planter des arbres en matière parcellaire? C'est pas forcément un facteur limitant, mais plus d'azote est profitable. C'est pour ça qu'on a cette succession forestière. Un sol d'une forêt climax est quand même plus riche qu'au départ. Une
partiels, les partiels à l'école vont sûrement être assez, peut-être trop, enfin, je penserais qu'elles seraient peut-être même trop riches. Riches en azote, oui, exactement. Oui. Trop de, oui. Développement trop c'est juste, oui. Donc au final, oui. Les arbres qui ne sont pas solides, qui ne tiennent pas. Exactement, ça c'est bien de compléter ça. Ces arbres, exactement, auront beaucoup de biomasse aérienne. Le rapport couronne-racine sera au profit de la couronne parce que c'est une croissance trop facile, trop riche en azote. Et un système racinaire, s'il y a des arrojages en plus relativement superficiels pour capter cet azote en surface. Et cette richesse en azote, selon les essences, c'est même un danger de pourriture facile. L'épicéa, c'est son problème d'être planté en zone trop riche. Donc, il pousse très bien, mais c'est ce qu'on a vu comme forêt monospécifique sur des terrains trop bons, sur des sols trop riches. Là, on a éventuellement un problème. Ici, pour le pin, c'est un peu différent. C'est des sols plutôt sablonneux, mais c'est juste. Il peut y avoir trop d'azote aussi. Là, vous avez raison. Un autre risque avec le robinier, il est vite là, mais il est des fois difficile de s'en débarrasser. Avec les drageons, les rejets de souche. Et là, il faut maîtriser la situation. Donc c'est juste, il faut réfléchir à ce que le sol apporte au départ. On ne peut pas être schématique. Comment est-ce qu'on fait pour transformer une plantation en une forêt vivante et fertile ? Schématiquement, je vous l'ai déjà dit, la plantation, c'est ça, c'est des arbres plantés, une espèce en situation de concurrence à tous les niveaux, traversée par les vents souvent, puisque les exploitations se font par coupe rase, par avance schématique. Donc chaque fois, il y a un nouveau front de forêt qui est entièrement ouvert aux intempéries, ou bien alors on choisit de commencer par l'est ou par le nord, et une zone reste quand même mieux protégée par rapport aux intempéries. Mais on a quand même le vent, et souvent les vents du nord sont des vents qui sont relativement secs aussi, suivant quand. Vous pouvez avoir facilement le dessèchement du sous-sol forestier, et l'élément clé de la forêt, l'eau, est finalement perdu pour la forêt, mais aussi pour le reste des environs. Si on observe le fonctionnement d'un arbre, qui pousse tout seul, vous observez ça dans des parcs, il aura souvent une couronne qui va carrément jusqu'au sol, à moins que les branches ne cassent les plus anciennes, les plus basses. Mais parfois, les couronnes touchent le sol, elles se réenracinent et ça repart. C'est tous des phénomènes tout à fait naturels. À moins que le bétail ne vienne et ne broute régulièrement ce qui est à portée de museau. Mais l'arbre, il veut créer son enveloppe, il veut se fermer, il veut surtout protéger son sol pour maintenir ses réserves en eau au maximum. Connaissant ça, observant ça, on a tout de suite une réponse. Qu'est-ce que je fais avec ma forêt artificielle, résineuse ou feuillue ? Je vais essayer de lui donner une enveloppe. Le dessus est plus ou moins fermé, mais le côté est en principe ouvert. Une enveloppe, on peut planter des arbustes, des arbrisseaux. Ceux-ci vont très rapidement pousser, ils sont à croissance rapide en principe. Ils vont attirer les oiseaux et cette forêt à l'intérieur sera fermée. Et là, il y a un phénomène très intéressant aussi qui va jouer un rôle positif, c'est que les sols forestiers avec leur biomasse organique, leur masse organique très riche, qui font aussi de la décomposition, de la minéralisation, mais avec énormément de biomasse en résultat. Cette minéralisation, décomposition développe du CO2. Donc les sols forestiers sont très riches en dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, il ne va pas rester capturé dans les sols à mesure que ça se décompose, il va diffuser contre le haut. Donc ici, vous avez une richesse en carbone qui peut être supérieure à la richesse externe de la forêt, où c'est vraiment le carbone atmosphérique. Donc le sol forestier est très riche en CO2, en carbone gazeux. L'atmosphère forestière peut aussi en profiter. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le système foliaire
capte la lumière qui vient d'en haut, mais peut capter le carbone en supplément qui vient d'en bas. Les stomates sont placés du bon côté, d'ailleurs. Et là, on a des discussions pour se demander, mais d'où vient effectivement ce carbone dans la photosynthèse? En tout cas, ici, on sait que dans une forêt bien fermée, ce carbone ne vient pas seulement d'en dehors, il vient de l'intérieur aussi. Et cerise sur le gâteau, chaque arbre lui-même, on a vu avant les tranches avec l'aubier, le duramen. Lorsque l'aubier fonctionne, lorsque le cambium fonctionne, c'est des processus qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin de nutriments pour que ces cellules puissent en fabriquer d'autres. C'est des cellules qui n'assimilent pas à ce niveau-là, elles reçoivent leur sucre. Et ces sucres sont décomposés pour avoir les pierres de construction des nouvelles cellules. Et la décomposition livre de l'énergie, et cette décomposition, c'est en fait une respiration. Comme nous, on est à 36-37 degrés grâce à notre respiration, au sucre brûlé. Et cette décomposition à l'intérieur du tronc produit du dioxyde de carbone aussi. À l'intérieur du tronc, vous avez plus de dioxyde de carbone qu'à l'extérieur, et il est récupéré par des cellules qui sont sur les jeunes tiges, juste sous l'écorce, qui sont vertes. Souvent, on pourra voir ça sur un noisetier, par exemple, ou un charme. On gratte l'écorce fine, l'épiderme, et c'est vert en dessous. Et on a découvert qu'il y a de la photosynthèse qui a lieu sur la tige même, pour capturer le dioxyde de carbone qui vient de l'intérieur. L'arbre ne laisse absolument rien perdre de ce qui est précieux. Donc il fait tout pour maintenir l'eau et maintenir le dioxyde de carbone. Et là, on voit ça à un autre niveau, au niveau de la forêt. La forêt ne laisse pas perdre son dioxyde de carbone, elle le récupère en tant que système fermé. Voilà un truc intéressant. Les oiseaux sont aussi intéressants ici schématiquement parce qu'eux vont se placer, nicher ici, mais ils vont être en interaction avec les zones ouvertes. Donc ici, on a des auxiliaires des cultures. Ils vont récupérer, ils vont se nourrir d'insectes et d'organismes qui poussent dans les cultures en périphérie des forêts, parfois des grandes distances. Ils vont aussi se nourrir de graines d'autres petits boisements ou de buissons. Ils vont ramener, vont revenir se nicher ici. Et ils vont réensemencer aussi la forêt de manière naturelle à l'intérieur. Et cette régénération naturelle, très vite, elle va se diversifier. D'où vient ce dioxyde de carbone à l'intérieur de la forêt ? Par le travail du cambium, par les processus physiologiques de transformation des substances. C'est ces processus qui ont besoin d'énergie. Cette énergie, elle est fournie par des sucres qui sont oxydés. Donc c'est sucre plus oxygène donne CO2 plus de l'eau plus d'énergie. Et cette dégradation des substances... Pardon ? C'est le processus de la respiration. Exactement, c'est exactement l'inverse. C'est la même formule, parfois pas complète, parce que certaines molécules sont directement utilisées sans les dégrader entièrement jusqu'à du CO2 et de l'eau, alors que la photosynthèse part du CO2 et de l'eau. Ici, vous avez... à la fois de l'énergie et des composantes. Donc là, on voit vraiment une gestion économe qui tourne autour de l'eau et du dioxyde de carbone.